Bonjour, je m'appelle Thomas Brunel. Avec mes camarades, nous allons vous présenter notre travail durant le projet climat réalisé avec EVESA et l'UIDP. EVESA nous a demandé de réfléchir à une manière d'utiliser son réseau et ses installations. Nous avons pu constater lors de notre étude que le réchauffement climatique et l'urbanisation intense de la capitale mènent à des phénomènes localisés d'îlots de chaleur urbains, qui sont une plaie pour les habitants et les usagers de l'espace public. Ainsi, nous nous sommes demandé s'il était possible d'utiliser, et alors comment, le réseau d'éclairage public parisien géré par l'entreprise EVESA pour détecter et alléger la température dans les îlots de chaleur à Paris, sans consommation excessive. Nous allons recueillir des données dans la rue via des usagers ou des capteurs reliés au réseau mesh d'EVESA et via la politique d'Open Data de Paris, nous allons utiliser ces données pour agir en mettant en œuvre des solutions plus précisément ou d'autres. Bonjour, je m'appelle Thomas Brunel. Thomas Brunel. L'UIDP. Il faut savoir qu'un îlot de chaleur urbain a une taille variable, pouvant aller d'une rue à un quartier, voire plus, en fonction des activités humaines et des conditions atmosphériques. Il faut donc pouvoir les localiser assez précisément pour lutter dans ces quartiers et ne pas gaspiller de ressources à traiter des zones qui n'y sont pas nécessaires. Dans le cadre de notre étude, nous voulons déterminer la température ressentie ou le confort thermique. Il existe plusieurs techniques pour le déterminer. Pour les températures, la plus précise est la température au globe mouillé, qui est utilisée dans les camps militaires des pays chauds. Elle prend en compte le rayonnement, mais est très dure à mettre en place car les capteurs sont très précis et sensibles. Après avoir cherché de nombreux capteurs, nous avons découvert la startup IoTense qui équipe déjà Valence en capteurs, que ce soit de stationnement, de bruit, mais ce qui nous intéresse, de température ambiante et d'humidité relative. Bonjour, je m'appelle Thomas Brunet, Thomas Brunet, Thomas Brunet, Thomas Brunet. Le réchauffement climatique et l'urbanisation. Urbanisation. 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 Merci de votre attention.